Face à gauche, Jordan Lukaku et préféré pour N'Golan qui peut frapper de loin. Son deuxième but absolument magnifique, certainement l'un des plus beaux de cet Euro. 1-0 pour la Belgique. Oh le caramel, quel caramel! Alors qu'ils étaient légèrement un petit peu en difficulté là, plus de 3 minutes. On avait dit en présentation hein, qu'il venait se présenter, qu'il aimait bien aller vers l'avant. Il est loin, hein. C'est un ballon qui recule en plus. Oh là là, superbe équilibre. On est aussi gêné par ses partenaires que par les adversaires. On joue pas à la marelle hein. Aaron Ramsey, la tête à l'égalisation. L'égalisation du capitaine Ashley Williams. Un but partout. Oh, il reste 15 minutes dans cette première période et on vous l'a dit, ce joueur-là a un parcours atypique. C'est un symbole défensivement des fois. Il a quelques absences, mais là il marque un but tellement important, un but partout. Il n'avait plus marqué depuis 2010 face au Luxembourg. C'est ce qu'on disait hein, quand on a vu le positionnement, Philippe, on avait été étonné du premier corner joué à deux. Là, cette espèce de chenille qui explose et tout le monde oublie Ashley Williams. Tranquillement, regardez N'Golan qui sort du marquage. Lukaku au premier poteau qui est trop court. Denayer qui arrive trop tard. Bref, perturbé par ses mouvements. C'est vrai que c'est une tactique